le barreau de Port-au-Prince doit garder sa neutralité. Le barreau de Port-au-Prince doit garder sa distance dans cette situation de rivalité politique. Le barreau, pendant les deux dernières années, a gagné en crédibilité. Le barreau a gagné en prestige. Le barreau doit conserver son prestige. Et si le barreau veut garder son prestige, sa dignité, sa crédibilité, le barreau doit rester en dehors des rivalités sociales, des rivalités politiques. En fait, parce que, automatiquement, on entre dans les rivalités politiques, dans les rivalités sociales, on ne sortira pas intact, on ne sortira pas indemne. Pour le moment, son audition qui commençait, audition un peu finie. Le barreau auquel j'appartiens, en 2003, Barreau ça a été dit que l'avocat pas de plaider encore bon ici là tout le temps Jean-Bertrand ici de parler. Pour y a quoi dire pas de faire politique? Au grand jamais. Comme citoyen a fait politique. Nous dit en 2003, Barreau ça a été dit que moun là jusqu'à présent peut-être qu'il n'a conseillé de l'ordre là. M'pas qu'on est. Je te dis que Barreau avocat porte presse pas de j'aime aller au tribunal tout le temps Jean-Bertrand ici de pas aller. Si nous voulons aller fouiller archive. Donc je dis à pas de moun capable retirer droit nous comme citoyens pour nous faire politique. C'est là sur le travail, derrière les messieurs et moi-même sur l'assistance tout le monde comme avocat. Mais est-ce que vous êtes confiant par rapport à l'audition ça? Non, pas gagner qu'arrivé. C'est normal, c'est une procédure normale. Conseil de l'ordre là qu'on convoque qu'importe monde et pour le discuter, pour le parler. Et moi-même pense faut pas gagner deux poids deux mesures. J'aime tout le temps mettre en délit. Il faut que tu attendes tout le monde qui est avocat et qui a fait des dérives. Moi-même, c'est par respect justement pour Barreau que moi je vois en lettre de Barreau. C'est pas moi qui prends l'initiative, je viens ou bien grand monde qui voyait. OK? Gon lettre que moi je vois de Barreau qui m'a demandé pour moi venir puisque me participer dans une émission avec maître Newton Saint-Just et maître André Michel, je dis mieux tu as besoin me venir pour parler avec de ça qui t'est passé dans l'émission. Donc moi par respect pour Barreau, moi venu. N'était pas venu tout. Donc mais tout simplement ça me fait, il me vient poser des questions sur ce qui s'est dit, qui va gagner pendant l'émission. Non, il me pose des questions, ça me songe, il me dit oui, il me songe tel bagage, ça me pas songe, il me dit pas songe. Ça qui t'a dit qui pas exact, il me dit bon, me pas attendre ça ou bien effectivement, que tel bagage me détendait et etc. Bon, même pas pour qui ça comme si d'adieu une bonne parole qu'a parler. Le gagner question disciplinaire. Personne n'est pas autorisé à faire commentaire sur lui. Donc, son tribunal de famille n'a pas le droit pour faire commentaire sur lui. D'accord? Donc, ce n'est pas moi-même qui pourrais le violer. Une règle comme ça, que fonction me dit, c'est moi-même qui pour protéger. C'est moi-même qui pour faire le respecter. D'accord? Moi, comme bâtonnier, je n'ai pas ce pouvoir de discuter des questions du Conseil de l'Ordre dans la presse. Est-ce que le Conseil de l'Ordre l'a reproché comportement avocat? Non, nous pas discuter en rien dans la presse, tout simplement.